Attention le Québec, attention Gilles, 9 bravo Charlie, 5-5-5 pour 14 ODR, 0-0-2 Rémi, Dandy 33, Sud-Ouest France qui t'appelle. Attention Gilles, attention 9, bravo Charlie, 5-5-5 pour 14 ODR, 0-0-2 Rémi qui t'appelle. Ok, tu vois là j'arrive juste là de rentrer du bro là, voilà je viens juste là de débaucher, le temps de rentrer de Bordeaux 50 km quoi, et puis là j'ai vite sauté sur la station, j'ai à peine eu le temps de vider, là, de sortir mes affaires et tout, j'ai encore les pompes là du boulot là dans les pieds, que me voilà déjà en fréquence, eh bien j'y croyais plus trop là vous avoir en fréquence, comment allez-vous là vous tous? Lo que hay un montón de gente, hay por lo menos 3 o 4 jueces, oh, pero tú estás sobrevolando hoy ahí, ¿eh? Increíble, ¿eh? Como andaste de un aparato a otro, ¿eh? On est en mobile, tu vois. Je suis en mode vidéo ici aussi. Tu vas pouvoir voir la petite installation qui n'est pas terminée parce que le plafond aussi est démanché ici, tu vois. On a enlevé le plafond dans le véhicule pour installer l'antenne fixe côté ici, Rémi QSL. Ah, je sais pas si c'est le j'ai pas du tout eu retour de ce que tu m'as dit là, j'ai pas du tout compris là, ce que tu m'as dit là. Ok, donc là tu es dans le mobile, si j'ai bien compris, ben c'est du 58-59 là de mon côté. Et j'ai aussitôt lancé la vidéo là juste avant là de taper, là j'ai démarré la vidéo, donc tu verras ce que ça donne de mon côté. Donc là tu me confirmes que tu es dans le mobile. Oui, QSL, on est en mode vidéo ce côté-ci là. Tu verras sur la vidéo, j'ai filmé ici le plafond là, le plafond du pouce mobile là, qui est tout démoli ici là, qui reste à refixer là. Et puis tu verras l'Alpha Lima, l'Alpha Lima qui est bien installé sur la pouce mobile ici. Et puis j'ai installé aussi un capaciteur que tu peux voir vraiment ici là, que j'utilise en plein courant là. Je me tiens dans le 12
12.4, 12.5 en voltage normal ici en stationnaire avec le moteur en marche. QSL. Ah, je sais pas si c'est le QTH1 là qui passe là, qui me surmoue du plein pot. J'ai pas du tout eu Roger de ce que tu m'as dit là. J'ai pas du tout compris, Gilles, ce que tu m'as dit là. Affirmatif, 100% QSL. Eh bien, dis donc, hey, que tu sois en fixe ou en mobile, ta grande gueule, on l'entend toujours autant ici. Elle chie trois coups, Gilles. Là, tu passes vraiment très fort. Hein. Là, ça marche vraiment. C'est vraiment super. Je vois même pas la différence avec le QRA. Hein. C'est du kiff-kiff bourrigo. Hein. Oui, QSL. Ben, tu vois, si tu veux, je peux t'enlever le Alpha Lima, là. Marilo, prends la caméra une petite minute. Puis, tu vois, on va enlever l'Alpha Lima ici. J'ai enlevé l'Alpha Lima. Tout simplement, le poste TX3900 ici, Rémi, à toi. Ah, j'ai l'Italie, là, qui me surmodule plein pot, là. Filmer ta page juste un petit coup. Oui, QSL, tu vois, il y a d'autres stations qui arrivent en même temps. Alors, il n'y a pas de problème, Rémi, mais ça fonctionne très, très bien, mon ami. On a fait l'Alpha Lima et là, on est en retour avec l'Alpha Lima. En plein pouvoir. Enfin, pas en plein pouvoir, mais je dois donner environ 300, 350, peut-être 400 ici, en sortie. QSL, Rémi. Bon, j'ai entendu ton Roger Beep, mais c'est tout ce que j'ai entendu. Hein. J'ai l'Italie là qui me surmodule la plein pot là de mon côté. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec quand même. Pour l'instant, j'arrive pas à te sortir avec la surmodule qu'il y a là, c'est pas grave. Fais rentrer les autres stations si tu arrives à les entendre, parce que là de mon côté, là c'est short, hein. c'est pas évident. Hein. C'est tout ce que j'ai entendu. Hein. J'ai l'Italie là, qui me surmodule la plein pot là, de mon côté. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec quand même. Pour l'instant, j'arrive pas à te sortir avec la surmodule qu'il y a là, c'est pas grave. Fais rentrer les autres stations si t'arrives à les entendre, parce que là, de mon côté, là, c'est short, hein. c'est pas évident. Hein. Oui, QSL avec la surmodulation qu'il y a aussi. Tu vois, je vais te passer le micro avec Bernard, Uniforme Fox 001 qui était en QSO avec moi tantôt. Alors, si tu veux reprendre, Rémi avec Bernard, QSL? Ok, Rémi avec Bernard. Ok, Bernard, si tu m'entends, les bateaux sont 13-51 à toi, voilà, comment vas-tu? T'as le bonjour de Fabienne par la même occasion, Bernard, si tu m'entends. Ouais. Está como está, estamos nosotros, entraron otros y esto está como está. Moisés, ¿tú escuchas al amigo Díaz?
Bon, je n'entends pas du tout, Bernard. Mais attends, Bernard, il est pas, il est là? Attends, je comprends pas, Gilles, c'est pas le même Bernard. C'est pas Bernard 14 unité francophone 001, c'est pas le même, je me trompe. Parce que il me semble que Bernard aujourd'hui, il est sur Marraine. Il est en famille en ce moment, normalement, si je me trompe pas. Ok, Rémi avec Bernard. Ok, Bernard, si tu m'entends, les 2513-51, toi, voilà, comment vas-tu? T'as le bon show de Fabien, ça a l'occasion, Bernard, si tu m'entends. Ça va, Rémi, ça va? Les gauches disent à Fabien, ça va, je t'entends, en rétro, là, ça va. Non, pas du tout, là. Ça me fait plaisir en direct, au lieu de ce blog. Voilà, j'espère que tout va bien. J'ai été foutu. Oui, QSL. QSL, il y a eu une petite surmodulation, Bernard, et puis Rémi, vous étiez du même moment dans le QSO surmodulation, les amis. Et puis, si tu remarqueras bien, voyons, Rémi, il va me rester un petit peu d'ajustement là, sur le signal, ici, sur le S-meter là, que j'ai rajouté sur le poste ici. Alors, des petits ajustements qui restent à finir ici. QSL, Rémi. J'ai entendu le Roger Bib, je ne sais pas à qui t'as repassé le micro. J'ai les Italiens là qui m'arrivent toujours plein pot. Il va falloir que tu fasses quelque chose, Gilles, que tu mettes un peu plus de vitamines, ce serait pas mal, quoi. Oh, j'imagine que t'es déjà à fond, hein. J'ai entendu le retour mille, je ne sais pas si t'as repassé le micro. J'ai les Italiens là, qui arrivent toujours plein court. La fois que tu fais quelque chose, Gilles, que tu mets un peu plus de vitamines. Tu vois tout ça aussi, là? C'était déjà à fond. Eh ben, il va falloir que je réécoute sur la vidéo, parce que j'espère que la vidéo, là, on entend mieux dessus, là, parce que là, moi, avec mes oreilles, là, j'ai du mal. c'est vraiment pas évident du tout, là, à sortir quelque chose. Hein. Là, justement, à cause de la surmodulation. Il n'y aurait pas la surmodulation italienne, là, je t'entendrais correctement, il n'y a pas de problème. Mais là, t'as, j'ai du mal. Hein. Oui, QSL, tu vois, là, je suis à fond, là. Alors, en ce moment ici, je suis complètement à fond, là. On va donner un petit peu plus de whisky avec le moteur de l'engin ici. Je sais pas si ça a fait une différence de ton côté, Rémi. Eh bien, il faut que je réécoute sur la vidéo, parce que j'espère que la vidéo, là, on entend mieux dessus, là, parce que là, moi, avec mes oreilles, là, j'ai du mal. c'est vraiment pas évident du tout, là, à sortir quelque chose. Hein. Là, un tout petit peu trop d'écho, mon Gilles. Ah ben, l'écho me dérangeait pas du tout, hein, ça me dérangeait pas du tout, hein, j'ai rien contre, hein. Là, tu pouvais laisser l'écho, hein, y a pas de problème, hein. Disons que, tu verras sur la vidéo, hein, c'est difficile de passer au-dessus, là, des Italiens, hein. Là, voilà, il faudrait carrément que tu multiplies la puissance que t'as par deux. Ah oui, facile. Oui, QSL, merci beaucoup, Eric. Tu vois, là, j'ai baissé l'écho un peu. Quand que je mets un petit peu plus de volume sur le mic gain ici, ça donne un petit peu plus d'écho, QSL. Ah, ben, l'écho me dérangeait pas du tout, hein. Ça me dérangeait pas du tout, hein. J'ai rien contre, hein. Je suis pas venu à l'écho, hein. Y a pas de problème, hein. Disons que,
filmé, ça. De passer au-dessus, là, des Italiens. Hein. Là, voilà, il faudrait carrément que tu multiplies la puissance que tu as par deux. Oui, facile. Ah oui, là, j'ai compris. Avec tout ce whisky, tu vas être bourré tout à l'heure, Hachi. Oui, QSL, je dois te donner entre 3 à 400 whisky ce côté-ci, Rémi. Je dirais peut-être un 3 à 400 ici, là, facilement. Là. QSL? Ah oui, là, j'ai compris. Avec tout ce whisky, tu vas être bourré tout à l'heure, Hachi. Oui, affirmatif. Tu peux m'en dire plus, là, sur la cabane à sucre? Oui, qui est celle. OK, on va arrêter la petite vidéo aussi. Et puis, on va rentrer, nous, on va aller casser la croûte dans la cabane à sucre ici. Alors, une autre demi-heure, une heure, on va être de retour en fréquence. Je ne sais pas si la propagation va être de retour avec nous, mais on reprendra sinon demain. Qui est celle, Rémi? Foutu italien, quoi. J'ai pas compris grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas te faire répéter, Gilles. Hein. Là, c'est dommage. Là, j'ai pas tout compris, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, ben, je vais te laisser. Pendant ce temps-là, moi, je vais sortir la tenue de pro pour remettre ma tenue civile. Et ben, bon gastro là pour maintenant. Et oui, peut-être à tout à l'heure. Je vais essayer de rester à l'écoute. Ah bah tiens, voilà, j'attends de regarder la vidéo. Ah oui, non, je compte à l'envers. Ok, je vais aussi couper la vidéo et puis on verra bien tout à l'heure s'il y aura une suite. Bon appétit à vous tous et à tout à l'heure. Salut, ouais, Rémi. Informatif, tu peux m'en dire plus là sur la cabane à sucre? Oui, QSL, ben, tu vois ici quand les érables coulent à tous les printemps dans l'année, ici quand ça coule abondamment, alors, Marilou, c'est ça, Marilou est en train de filmer ici la place où c'est qu'on est beaucoup de gens là qui sont pour la cabane à sucre. Tous les gens sont en ligne ici, là, c'est incroyable. Là. Une belle journée comme aujourd'hui, les amis, là. Il y a vraiment beaucoup de monde ici. J'ai pas compris grand chose, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas te faire répéter, Gilles. Là, c'est dommage. Là, j'ai pas tout compris, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, ben, je vais te laisser. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller sortir la tenue de pro pour remettre la tenue civile. Et ben, bon gastro, là, pour maintenant. Et oui, peut-être à tout à l'heure. Je vais essayer de rester à l'écoute. Aussi, à tout à l'heure. Ah, heureusement qu'il y a ton Roger Bip, hein, t'as raison, on a élu le Roger Bip, puis là il est indispensable. Bon casse-croûte. Bernard, j'arrive pas à l'entendre, et encore moins avec les Italiens là qui passent plein pot là de mon côté. C'est très très rare quand j'arrive à entendre Bernard. Tu vois, il faut être loin pour arriver à s'entendre. Auprès, comme ça passe pas. Ok, les 73, hachi. bon casse-croûte à vous tous, et peut-être à tout à l'heure, si la propague le veut bien. Je suis en train de faire un peu de temps.
Ok, à bientôt. Merci, les 2073, les cousins également. À tout à l'heure peut-être, sinon la prochaine. Ah, seulement maintenant? Eh bien, ça devait être sacrément bon, alors. Oui, on a mangé pendant une heure, alors qu'on est très sale, un peu, là. Mais là, t'es en train de rouler? J'ai pas l'impression que t'es en train de rouler, toi, là, parce que ça passe quand même relativement bien. Enfin, quand les Italiens passent pas par-dessus. Bon, j'ai relancé une nouvelle vidéo. À propos de vidéos, j'attends, voilà, je suis en train, j'arrive pas à faire deux choses en même temps, c'est hallucinant, quoi. Voilà, je suis en train de relancer là une nouvelle vidéo, voilà, ça c'est déjà dit. Pour la vidéo de tout à l'heure, j'attends que tu mettes la tienne en ligne. Comme ça, ce que je vais faire, je vais faire ce que tu m'as demandé là un jour dans un message. Tu sais que le truc que tu m'as demandé par erreur, hachi. Donc j'attends que tu mettes ta vidéo en ligne pour que je la récupère de mon côté et la recouper avec avec la mienne, faire le petit montage que tu m'avais dit le dernier coup. C'est hallucinant comment les Italiens te passent par-dessus. J'ai cru comprendre, ou plutôt j'en déduis que tu dois être à côté de ton cuirard, je suppose. Je sais pas trop, là, c'est, il passe fort, hein. Depuis tout à l'heure, là, du côté de l'Italie, ça a pas du tout baissé, il passe toujours aussi fort, hein. Ok, affirmatif, voilà, j'ai zoomé un peu là sur le poste, de façon qu'on... Ah oui, au fait, la ventilation, oh putain, oui, c'est en train de commencer à chauffer un petit peu, voilà, ok. Bon, j'espère que c'était bon. Ouais, là, peux-tu me réexpliquer alors exactement là ce que vous avez mangé là, la cabane à sucre, en espérant que ça passe un peu mieux ce coup-ci. Ok, ça marche, il n'y a pas de problème. Oui, affirmatif. Voilà, le temps de relancer la vidéo. Ça y est, ok, ça roule. Eh bien, tiens, la modulation est un peu plus aiguë là sur ce poste-là. Hein. Ouais, affirmatif, je suis là. Je te disais que là, ce coup-ci, la modulation est un peu plus aiguë. Ouais, que ça, la 4-4, elle parle en même temps. La modulation est plus forte ici? Oui, elle est plus forte, mais elle est un peu plus aiguë. On voit que c'est pas du tout le même micro que tu as. Négatif, Rémi, c'est le même microphone. C'est le même microphone, c'est seulement que le tigre qui change ici. Ah ouais, tiens donc, c'est marrant parce que il me semble bien que la modulation n'est pas du tout pareille et qu'elle serait un peu plus aiguë là avec ce poste là. Tu vois, c'est curieux, quoi. Ouais, enfin bon, de toute façon, tu passes bien. Hachi, tu passes bien quand même. Ouais, tu es là. Je dois aller à l'extérieur, dehors, pour le petit, une demi-heure, je vais aller trop tôt. Ok, 100% QSL. Eh bien, alors, vu que la vidéo est en train de tourner, pour les stations qui verront la vidéo, eh bien, il est actuellement
21h20, 21h25, autrement dit 9h20, 9h25 PM, là ici en France. Et la propague est toujours là. Et Gilles, cette propague ressemble un peu à la propague d'été, hein. Parce que c'est vrai que par chez nous, la propague d'été, elle est plutôt du soir. Et là, ça ressemble un petit peu à ça, quoi. Alors toi, ton vœu va s'exaucer. On va t'avoir tout l'été avec nous, là. Hachi. Ok Gilles, je te laisse aller à tes occupations. Ah, j'ai l'Italie là qui me surmodule plein pot là, au secours. Hein. Ok, ils se sont un peu calmés. Ok, les bottes sont 13:51 à vous et à plus tard. Ben, si tu me propagues, le veux encore. Voilà, je suis en train de lancer une petite vidéo. Voilà, un petit zoom sur le poste. Allez, il faudrait que ça se mette un petit peu là. C'est un petit peu flou là. Voilà, histoire que tu vois un petit peu comment ça passe là de notre côté là ici. Vas-y Jacques, en avant. Ok, hey, c'est quand même assez hallucinant, hein. Attends, j'essaie de chercher l'heure. Hop là, c'est flou. Bon bref, il est 22h là ici, il est 10h PM là ici en France. Et ça passe encore, hein. C'est hallucinant, hein. On dirait vraiment une propague d'été là qu'on a maintenant. Ouais. Affirmatif, hein, c'est bien la première fois que je module à cette heure-ci, là, aussi tard que ça d'ailleurs. Là, il est, ouais, c'est ça, il est 10h PM, là, 22h, là, ici, là, en France. Et c'est bien la première fois que je vois que ça passe comme ça, quoi. Ok, ça marche. Ouais, 8 de 9 en avant, les bateaux 73. Ça passe plus ou... Ah non, j'ai entendu qu'il était occupé, quoi.